Tu m'auras pas. Coucou tout le monde qui m'emmène ici, on est sur Vergo, un jeu preview qui vaut 20 euros si je me rappelle bien. J'ai pris la version d'essai pendant 2 heures, on va voir qu'est-ce que ça vaut. Si je me rappelle bien, ça sort l'année prochaine, je sais pas plus. Je ne sais pas encore pour dire si pour les 20 euros ça vaut la peine ou pas, je sais pas. Mais elle est encore en cours de développement, c'est pour ça que c'est à 20 euros. Et ce sera un free-to-play l'année prochaine. Alors on va voir un peu. Et je peux pas être une fille. Non, je dois absolument être un mec. Non. Non. Ou mais quoi que. Ah, trop doux. Prends-lui. Bah oui, j'ai pas le choix alors. Et apparemment c'est en anglais. Alors, après ce que j'ai lu, c'est eux qui ont fait Armia, quelque chose comme ça, qui est sur PC uniquement. C'est un mélange de DayZ, des choses comme ça, ok. Bon, on va voir, hein. Un peu Battle Royale et tout ça. Après ce que j'ai compris aussi, c'est tu dois essayer de trouver des... Ah, des vivres, tu construis ta propre cabane, tu survis en fait. Oh. C'est après une guerre nucléaire, comme beaucoup de jeux. C'est toujours après une guerre nucléaire dans ces cas-là. Oh, il y a un cadavre. What you do? Non, je peux pas, je peux pas. Et un peu aussi comme un peu comme State of Decay, ils ont dit sur un site. De toute manière, je mettrai toutes les infos. Oh, wow! Ok. Ah, cool. Je mettrai toutes les infos et tout ça dans la description. Comme je dis, j'ai pas payé 20 euros. J'ai pris que les 2 heures là d'essai. Ok. Ok. Bon, ça m'aide pas des masses. C'est quand même beau quand même pour un preview, franchement. Et pour 20 euros, comme j'ai dit, je le redis et je le répète, j'ai pas à payer, j'ai fait qu'un essai. Je le prouverai après. Sur l'image qui arrive maintenant. Oups. Ouais, pas mal. Ah, c'est ça la cabane. Je peux sprinter, oui. Je peux sauter, yay. Yay. Ce qui est fou, c'est qu'après une bombe nucléaire, les radiations te tueraient, mais bon, c'est pas grave. C'est la fameuse cabane que j'ai entendu parler de. Yo! Ah oui, d'accord. Ah. Non, d'accord. Oh, come on! Ah, voilà. Inventory, ok. Inventaire. J'ai des clous. Je te dis que j'ai foutu avec des clous, moi. Ok. Et ça, je peux l'ouvrir? Non. Il y a une mallette, je peux pas l'ouvrir. Ok, bon. Là, je me trompe complètement de jeu, moi, ici. C'est pas du tout ce que je viens de dire, là. Je peux nager? Wow. Water slows you down. Ah. Ouais, apparemment, je peux nager, mais ça me ralentit. Par contre... Ah non, non, je peux pas m'abaisser. Je suis tranquille dans l'eau. Je sais pas, hein? C'est un ruban. Le ruban, il est pour tenir son pantalon ou pour tenir sa veste? Je suis curieuse de se voir. Bah, c'est beau quand même, hein, franchement.
Mais Army A, je crois que ça s'appelle, je sais pas, j'ai jamais joué, mais j'ai vu pas mal de trucs sur YouTube dessus. Oh, come on. Ok, ça c'est pas con, ça va m'agacer. Ça a l'air quand même pas mal. Je prends tout. Ah, ok. LB. Oh. D'accord. Oui, ok. Oh. Non. Non. Par contre. Ouais, ça, c'est pas mal. Tu me. Really? Tu m'as demandé de faire quand même RB pour me soigner et pas RT quand même. Si mes souvenirs sont bons, il y a 30 secondes. Encore une caisse. Bon, si je peux tomber, si je tombe, ça fait mal. Oh, come on. Ok, yeah. On voit bien que c'est encore en preview, hein. Est-ce qu'il voilà. Ok, des circuits électriques. Il va falloir voir un peu plus. Non! Oh! Je me suis pas fait mal. Ok. Bon, par contre. Ah, d'accord, c'est là... ah, cette cabane-là que je dois aller. D'accord, c'était pas du tout. Je pensais. Oh, il y a de la boue. Là, on va aller dans la boue. Wow. Ah, quand même, c'est beau quand même. C'est beau, hein. French me, c'est beau, oui. Allez, comme je dis, ça va être un free-to-play. Or, quand je dis, on peut l'acheter déjà maintenant, et je crois que c'est un genre de truc Finder Pack, des petits brawls comme ça qui font de temps en temps, mais après, le jeu va être gratuit. Or, wow! Et préviens, s'il te plaît. Outlander here. Ok, ça c'est des petits trucs en plus. J'espère qu'ils vont mettre les gens en anglais. En anglais. Really, Kim? Really? En français, quoi, pour la sortie. Parce que je n'ai pas, au début, je n'ai pas eu de menu de langue ni rien, mais comme j'ai avec des previews, c'est souvent en anglais. Ah, ça c'est le. Ah, là, les trucs rouges, je peux avoir un drop. Ça c'est un drop. J'ai pas compris. Oui, ok. Pourquoi je quitte la zone ici? Oh! Quand je quitte la zone, moi, ici? Ah, j'adore, c'est une canette de bouffe de chat, là. J'adore. Ah, oh, j'adore. Un truc de Coca-Cola. Le couteau. Ah, j'adore. Miaou! Le chat, le chat, le chat. Yam, yam, yam. C'est ça la baraque alors. Est-ce que même c'est pas mal? Franchement, graphiquement, c'est pas mal quoi. C'est assez joli quand même. Hein. Il n'y a rien à dire là-dessus. Hein. Quand tu vois des fois des jeux où tu payes à 70 à 60 euros, même des fois 80 euros, graphiquement c'est pas ça, c'est pas ça, mais là, c'est encore en preview, hein. C'est quand même pas mal, hein. Franchement, oh, il y a une petite tente là. Il y a une petite tente. Ah ouais, d'accord. Ah, je suppose qu'ici ça va être le stand de tir. Ah, même ça quoi. Et je n'ai pas eu de lag. Hein. Je joue en même temps. C'est la première fois que je joue, c'est en temps entre guillemets réel, vu que je suis pas en live. Mais je n'ai pas encore eu le problème de lag ni rien. Alors, bon, je saute sur la carte. Petite potager, c'est mignon. Bon, qu'est-ce que je dois faire avec ma baraque? Les petits signes là, ça c'est pas mal quoi. Ça c'est joli ça. Je sais pas ce qui est écrit dessus, mais bon. Mes yeux sont plus beaux. Oh. D'accord. Oh. Personnellement, j'aurais pas envie parce qu'il est dégueulasse, mais bon. Après une guerre mondiale et des bombes atomiques, là, on fait pas très. Oh, j'ai une carte. Ah bah tiens.
Tu vois, ils recherchent des autres joueurs. Tu vois, c'est ce que je disais. Je crois que maintenant, ce qu'on va faire, c'est le côté un peu Battle Royale. En fait, il faut un peu comme de State of Decay. C'est maintenant sur le côté, on doit aller. S'il me trouve d'autres joueurs, par contre, ça, je vais voir sur Xbox. Survivre, on doit aller chercher des vivres, les ramener et faire cette base, faire notre base en fait. Et comme je dis, je sais pas depuis combien de temps c'est sur Preview sur Xbox. Je l'ai vu hier soir. Je crois que sur PC, ça fait déjà un petit temps que c'est déjà sorti. Mais comme j'ai dit, sur Xbox, je sais pas. Et c'est quand même. Wow! On dirait que je cherche un donjon sur Neverwinter. Ouais, ça. Oh, 1 minute déjà. On va voir hein, si je trouve. Hein. Par contre, si je fais. On va essayer l'autre partie des 4 jours. Je sais pas, on va voir. 2 hours later. Bon, bah, on est de retour. Ça fait quand même plus de 3 minutes en réalité, parce que j'ai rechangé de zone de nouveau. Toujours personne. Mais ça, c'est cool, parce que tu peux quitter la carte et explorer en attendant. Alors, je me suis dit, on va voir. Hein. Est-ce que je suis encore un. Est-ce que je suis encore tiré? Really? Le moment que je vais montrer à tout le monde que je sais viser comme une. Dieu? Je sais pas c'est quoi le terme de femme, tu vois. A goddess, hein? Bon, tu me mets en multijoueur, toi. Really? Game? Merci, boy. Ouh. Ah ben, oui, d'accord. 30 secondes, ok. Wow! Wow, je t'ai pas habillé comme ça, moi. Wow. Ok, en multijoueur, c'est pas stable. Je peux prendre mon arme? Ah, ça change complètement, en fait. Ah ouais. Ah, d'accord. Non, non. Non, non, garde ton arme. Et je dois faire quoi maintenant? Ah, il va avoir un drop juste devant moi là. Et là aussi, ça fait un drop. Oh, trop cool! Et si, comme je dis, si, cette partie-ci, c'est un peu le Battle Royale, un peu State of Decay et tout ça en 1. Et il faut chercher des vivres et tout comme ça. Le seul X, je ne sais pas du tout comment il faut faire sortir de cette partie-ci après. Et vu que je. Oh, wow, ah, d'accord, il y a des trucs qui traînent. Ah, oui, d'accord. Ok. Oh, il y a quelque chose là-bas. C'est génial. Un peu de lag au début, mais comme je dis, je m'attendais à ça. Je dis, le jeu est encore en preview. Alors, c'est un peu logique, et comme je dis. Pas depuis combien de temps c'est sorti sur Xbox, sur les serveurs Xbox. Et comme je suis nul à ce genre de jeu Battle Royale, je vais me faire trucider. Mais j'aimais bien le concept tout en un en fait. Et ça, j'aime bien, quoi. Il n'y a pas moyen de voir les autres joueurs, non? Ah, d'accord, peut-être ça veut dire rentrer maison. Alors, si j'ai envie maintenant de rester un peu ici, je ne sais pas pendant combien de temps le drop va arriver. Si j'en vois un autre joueur, je cours par là et j'arrive à ma maison. Ok, bon, ça, déjà, moyen de sortie est déjà fait. La lâche ici qui a peur de tout et de rien. J'ai peur des autres joueurs, moi. Je suis nul, moi, ce genre de jeu, là, moi, mais j'aimais bien le concept. Et maintenant, je commence à me dire que j'ai regretté. Oh, God.
Oh God, il fallait me voir la première fois et en plus je n'ai pas, non, j'ai pas enregistré la toute première fois que j'ai joué à Battlefield en ligne. Et oh purée, qu'est-ce que j'ai stressé. Oh, c'est bête, hein, je joue Neverwinter et tout comme ça, mais les jeux en multijoueur avec beaucoup de gens, je stresse en fait. Est-ce que c'est le côté PVP? Est-ce que c'est le côté que je suis complètement nul et je ne sais pas du tout jouer ce genre de jeu? Ou je crois que c'est plutôt ça en fait. Et le pire, hein, c'est. On dirait un peu de PUBG. Parce que vas-y pour les trouver, hein, tes ennemis là. Hein. On dirait PUBG, mais en même temps, on dirait le décor avec Battlefield. Ah, en fait, avec le multijoueur là dans les montagnes. Je sais pas du tout comment ça s'appelle. Bon, ce drop il arrive, ouais. En fait, je suis seul au monde. Oh, c'est quoi la chanson? Alive with the sound of music! Voilà, j'ai chanté, c'est bon. J'ai mis. J'ai mis mon micro, mais non, les gens. S'il y a quelqu'un, ils vont se dire, mais putain, c'était quoi ça? Il y a des monstres et des mutants dans ce jeu. Ok, bon. Ah, il y a une petite cabane, on va voir. Non, attends, attends, est-ce que c'est toi mon truc? Non, c'est pas toi. Wouh! Nya! Nya! Oh. Bah oui. Il y a un fusée à pompe. Ah non, mais bah, attends, Kim, attention. T'es en train de prendre tout ça. S'il y a un autre joueur, si je meurs, tout reste ici. On ne sait pas le ramener. Ah bah tu sais quoi, on va aller à la maison. À la maison! Oh shit! T'es début! Cours! Cours! Tu m'auras pas. Cours, Forest, cours! Sais pas, je tire comme ça. Ah, il m'a eu. Il m'a touché le con. Bon, autre maison. Oh, purée, c'est loin. Ah, mais attends, est-ce que je peux me cacher dans le buisson? Ah, zut, je n'ai pas pris de. J'ai pas pris de balle fusée à pompe. Et voilà pourquoi je ne joue pas au jeu. C'est Fortnite, PUBG. Tout ça. Je vois quelqu'un, je vais dans l'autre direction et je me barre. En plus, j'ai rien d'intéressant sur moi. En plus, j'ai quoi? Un peu d'essence, deux trucs d'alcool. C'est maintenant que t'arrives, toi? Deux trucs d'alcool, fusée à pompe sans émission, munitions. Crois-moi, tu veux pas moi. Voilà comment c'est ridiculisé en même pas quoi, 30 minutes d'une vidéo. Et le pire, c'est que je suis dans la zone du drop. Ah zut, c'est là-bas. Tu pouvais pas dropper devant moi, non? Qu'est-ce que je fais? Je fais. Attends, j'ai quoi sur moi? Ah, j'ai quand même pas mal de balles, hein. Oh. J'ai quand même pas mal de balles. J'ai pris 90 balles avec moi. Quoi, il a déjà pris le truc, lui? La plus, regarde. Oh, for goodness sake. Oh, comment je suis folle. Allez, on meurt, c'est pas grave. Pas la fin du monde. Toute manière, j'ai pas acheté le jeu, alors j'ai que 2 heures de jeu, alors. Ça change pas grand-chose si je perds tout ou que quoi.
Ah bah oui, ah il a... voilà ce qu'il disait sur le jaune. Jaune, ça veut dire qu'il a déjà pris. Et moi, comme ils doivent, moi j'ai attendu trop longtemps. Je sais même pas, je le vends même pas où c'est la caisse en plus. C'est quoi ce bruit? J'ai un toc-toc moi dans l'oreille là. Pourquoi j'ai un toc-toc dans l'oreille là? C'est horrible. Bon bah, eh oh. Je suis là! Allô? Yeah! Wouhou! Je suis là! Ouais! Si elle est en train de streamer sur Twitch, il va se dire, mais qu'est-ce qu'elle me fout, cette folle? Yeah, je suis là! Wow! Pas trop. Bon, bah, ça, c'était un... Ah, bah, il est... Oh, putain, le drop était là, en plus. Tu fous de ma gueule ou quoi? Tu fous de moi? Le drop était juste là. Je parie qu'il est passé par ici. Mais c'est quoi ce bruit que j'entends, là? Radiation? J'entends quand même quelque chose là. Ouais, c'est dans mon mic, c'est dans mes écouteurs, c'est horrible. Ça veut dire quoi ça? Bon. Aucune idée de qu'est-ce que ça veut dire. Bon, on va aller à cette baraque là, hein. Je parie qu'il est parti par là en plus. Et après ce que j'ai compris aussi, on peut voir plus de 8 à 16 joueurs sur la multicarte. Ce qui vont en avoir plus dans le futur. Oh, il y a un hélicoptère! Oh, il y a un hélicoptère! Ah bah voilà! La preuve, PUBG. Hélicoptère! Eh, n'empêche quand même, après une bombe nucléaire, elle est encore en bon état, hein. Il n'est pas vraiment rouillé, ni rien. Hein. Ah, c'est pas mal ça. Ah ouais, c'est cool. Comme je dis, si je perds, c'est pas. Moi encore, de tomber. Bon, ma maison, elle est où? Droit devant. Ben bon, c'est une vidéo comme ça, une vidéo test, comme j'ai dit, j'ai pris que 2 heures. Les 2 heures d'essai, là. Qui est un peu décevant, parce que je me rappelle à une époque avec les previews, tout comme ça, il y avait moyen... Mais qu'est-ce qui se passe, là? Ça fait pas 2 heures que je joue, hein. Wow! C'est quoi ce Binx? Qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est horrible. D'accord, en fait, quand on arrive à une base pour rentrer chez soi, ça fait ça, d'accord. Bah, je suppose. Ok. Bon, voilà, on a eu ça et zéro kill. Bon, sur ce, dites-moi quoi dans les commentaires. Est-ce que ça vaut la peine aussi pour les 20 €? Je sais pas encore, je vais encore découvrir un peu plus. La promesse que j'ai pris, la version d'essai. Ça a l'air gag, pas mal. Faut tester, quoi. Il faut tester. Je vais peut-être prendre, je sais pas encore.
Mais comme je dis, j'aime bien le concept, mais ça sort l'année prochaine. Mais j'aime bien le concept, ça a l'air pas mal. Il faut voir qu'est-ce que ça vaut en fait. J'aime bien le côté un peu. Cette partie-ci, j'aime bien. Pas vraiment très fan de côté Battle Royale et tout comme ça, parce que c'est vu, revu, dévu et machin, mais bon, comme je dis, c'est un preview, il faut voir un peu qu'est-ce que ça vaut. Ah voilà quoi. Bon, sur ce. À bientôt.